Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, épisode 3 de la campagne de Ruse. Donc, alors, nous en sommes où déjà? Ah oui, alors nous avons fait la campagne d'Afrique du Nord contre l'Africa Corps. Maintenant, on va faire le débarquement d'Italie par les Américains. C'est parti. Alors, alors épisode 3, ça sera ces deux missions-là. Épisode 4, ces deux-là. Voilà. Donc, c'est parti. En phase de stratégie, ça équivaut à la difficulté moyenne. Donc c'est parti. Voilà. Donc alors pour ceux qui ne savent pas, les Américains ont débarqué en Sicile et dans la côte de l'Italie. Alors je sais plus quelle année, je crois que c'est en 1943, je suis pas sûr du tout. Parce que l'Italie faisait partie de l'Axe. Mussolini était... enfin, prenait le régime totalitaire et il était extrêmement allié avec Hitler. Donc c'est pour ça qu'on voit les forces allemandes justement en Italie avec les Italiens. Bon là on les voit pas encore, on va le découvrir dans la mission. Donc notre but c'est de déloger les fascistes et les Italiens de ce pays parce que ils font partie de l'Axe. Donc là, on nous montre comment construire une base. Donc là, j'ai déployé un dépôt de ravitaillement. Donc chaque dépôt a une capacité en ressources. Et toutes les 30 secondes, ce dépôt envoie des petits camions de ressources jusqu'à mon QG. Donc les camions passent par la route. C'est pour ça qu'il faut jouer stratégique, il faut défendre ces routes-là et tout. Donc ça dépend de la map. Donc là, c'est juste à côté, il n'y a pas vraiment de soucis. Donc voilà, ça envoie des petits camions, on va zoomer dessus. Des petits camions de ressources. Évidemment, ils peuvent être destructibles, hein. C'est pour ça qu'il faut défendre ces ressources. Hein, parce que si une infanterie cachée là, il peut les détruire à chaque fois que ça passe. Hein. Donc je vais en construire un deuxième ici, pour un meilleur rendu, un rendement plutôt. Donc on voit que toutes les autres régions sont en rouge, c'est-à-dire que je peux pas y aller encore. Donc pour l'instant, je suis que dans cette zone-là. Enfin, ces deux zones-là, il y en a deux là. Là, il y a mes alliés. C'est des Anglais. Donc, objectif, établir une base d'infanterie. Donc là, j'ai des ruses, donc j'en ai deux, les mêmes que les deux missions précédentes. Quatre missions précédentes plutôt. L'espionnage et le décryptage. Donc, toujours pareil. J'en ai pas besoin là. Bon, je vous le dis, pour cette mission là, on se fait pas attaquer au début hein, parce qu'il nous montre comment faire une base. Supply truck. Ok. Ensuite, je vais construire une caserne. Donc, la base se construit avec des bâtiments qui sont disposés dans différents onglets. Donc là, il y en a que deux. L'onglet QG qui dispose des bunkers, des dépôts de ravitaillement, tout ce qui concerne l'administratif et les ressources. Donc l'outil caserne, une fois qu'on en a construit une, donc je vais la poser ici. Donc il y a le fantôme du bâtiment que je peux déplacer pendant le chemin du camion, et le camion de construction. Donc comme dans la mission en Afrique, où on attendait le camion d'ingénieurs alliés pour venir construire la caserne. Donc on peut déplacer le fantôme avant que le camion arrive. Donc voilà, c'est trop tard, il est en train de se construire. Voilà. Maintenant, quand je vais dans l'onglet caserne, j'ai toutes les unités de la caserne que je peux entraîner. Donc pour l'instant, le Willis, donc c'est une unité de reconnaissance. Une petite Jeep avec un champ de vision. Voilà. Et le cercle, c'est le champ de vision. Donc vous voyez que si je le mets derrière la ville, elle ne voit pas ce qu'il y a au-delà de la ville. Normal, il y a des bâtiments. Par contre, si je le mets là, je peux pas parce que c'est la zone rouge, c'est pas la même région. Alors, il y a des endroits où elle va mieux que d'autres. Donc, l'unité de reconnaissance, c'est un peu la base du jeu, quoi. Si on joue sans unité de reconnaissance, on a de très fortes chances de se faire surpasser, de pas savoir d'où arrive et de quoi est constituée l'armée de l'ennemi. Donc, je vais en placer un ici. Donc ça se construit. Voilà, donc ils disent que il y a des... Ah oui, d'accord.
Donc on voit que grâce à l'unité de reconnaissance, parce qu'elle peut voir les unités cachées, hein, l'unité de reconnaissance peut voir les unités cachées dans les forêts ou n'importe où, les unités camouflées. Donc là on voit que Sahar Yana, donc c'est l'infanterie de reconnaissance, donc voilà, ça c'est une infanterie, mais qui en plus a la capacité de d'éclairer le terrain. Donc ils en ont mis deux. Donc je peux pas envoyer mon Willy, sinon il va se faire défoncer. Ce qu'on va faire, voilà, c'est on va faire des GI. Donc moi j'en envoie deux ici. Et deux ici. Et eux, c'est des Bersaglieri. Donc ça, c'est plus de l'infanterie de reconnaissance, c'est de l'infanterie légère. Donc là, je vais en envoyer trois parce que c'est plus dur à abattre. J'ai mis une ruse de décryptage pour au cas où voir s'il y a des mouvements ennemis qui pourraient me surprendre. Ah, on va voir c'est quoi comme unité. Donc Bersaglieri et deux carreaux M11. Non, qu'est-ce que c'est que les carreaux M11? Je me rappelle plus. Oui, c'est un char léger, un char moyen même. Pas très puissant. Ouais, c'est pas très puissant. Et pour l'instant j'ai pas de char, donc j'y touche pas. Donc j'investis la forêt, puis voilà, je les mets en déroute, et voilà. Donc maintenant à eux de prendre leur position, maintenant ils vont défendre, comme ça tous les ennemis qui s'approcheront de cette route, de ce côté-là, eh ben, ils vont se faire attaquer. Je vais avancer ma reconnaissance pour voir un peu plus loin. Hop. Voilà, je tourne une autre... Ah voilà, ils m'ont mis en déroute. Donc. Ah, ils me mettent tous en déroute quoi. Je les vois pas en fait, c'est pour ça. Ils sont pas... Voilà, là ils attaquent. Ah mais ils vont se faire défoncer. Ah ils vont se faire défoncer. Donc ah oui, j'ai oublié de regarder. Bon, je vais passer la vidéo. Donc là, c'est le général Weatherby, hein, celui qui m'a promu lieutenant-colonel, je crois, ou commandant, je sais plus quoi. C'est lui qui s'occupe du débarquement là-bas, là, sur la côte. Sécuriser le flanc nord, donc c'est quoi? C'est pas où? C'est où le flanc nord? C'est là. Donc bah, on va le sécuriser. Bah, je vais faire déjà une nouvelle reconnaissance. Hop. Je vais faire 4 unités d'infanterie ici pour qu'ils vont aller dans la ville. Et j'en fais 4 autres pour défendre là où ils glissent. Et... Ah, il y en a un autre là. Donc 3 autres ici. Voilà. Donc de toute façon, ce flanc-là, il est bien protégé. Objectif bonus, trouver... Et... Je mets une ruse de décryptage. Donc là, on voit qu'il y a ces deux zones-là qui se sont ouvertes. Voilà, donc si je détruis ces trois unités-là, je remplis l'objectif bonus, ça me fait un petit peu plus de points. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais en envoyer deux ici, que j'enverrai là. Je voulais vous dire aussi que si la fréquence de mes vidéos baisse, enfin si j'en poste de moins en moins, c'est parce que bah, je suis au lycée, hein, il y a des bacs blancs, tout ça. J'ai acheté la Xbox One aussi, du coup bah, je passe quand même du temps dessus. Ça fait que je passe moins de temps à faire mes vidéos, voilà, tout simple. Mais j'en ferai toujours, hein, ne vous inquiétez pas, mais ça risque... Il risque d'y en avoir un tout petit peu moins qu'avant. En tout cas, un peu moins souvent. Je les attaque. J'envoie ces quatre-là directement assiéger la ville. J'en envoyais deux se faire lui. Donc, quand une unité est invisible à mes yeux, s'il m'attaque, invisible, par là j'entends qu'il est camouflé dans une forêt par exemple,
Et s'il m'attaque, il bénéficie d'un bonus d'attaque surprise. Ça me fait 2 fois plus de dégâts. Mais là, il peut pas me faire d'attaque surprise parce que je sais qu'il est là. Du coup, 2 contre 1, c'est largement suffisant. Ou pas, ou pas. Ou pas. Donc oui, il bénéficie d'une défense supplémentaire vu qu'il est en forêt. Donc je vais en envoyer 3 cette fois parce que il est méchant. Ah bah tiens, j'ai pris la ville, j'avais même pas vu. Je vais envoyer ces deux-là. Donc là, normalement, ça devrait suffire parce que les deux sont en forêt. Les deux ont le même niveau de défense. Te tendre une embuscade, pardon. Donc des chars vont passer dans la ville. Je vais bien positionner mes unités contre le mur. Donc le char arrive, je mets une ruse d'espionnage. Voilà, le char arrive, vous allez voir ce qui se passe. Hop, coup de roquette. Attaque surprise, vous avez vu, il y avait marqué attaque surprise. Ce qu'ils ne savaient pas que j'étais là, je les ai pris par surprise. Ça fait 2 fois plus de dégâts, du coup, ça les one shot. Voilà. Donc ce sont vraiment des petites techniques à utiliser, vraiment. Ça peut vraiment vous faire changer le cours de la bataille. Donc le débarquement de Weatherby. Donc lui, évidemment, il a le soutien de l'artillerie, tout ça, hein, moi j'ai rien du tout. Donc, alors le flanc nord doit être protégé, le flanc est est. Ah, j'ai compris. Et oui, je me suis dit le verbe est être bizarre. Bon. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Décryptage, je dois utiliser où? Je sais pas. On verra ça après. Donc là, il y a encore les chars qui essaient de passer. Alors, je vais essayer de mieux défendre. Donc je vais mettre une unité de reconnaissance ici. Voilà, je vais envoyer des unités de défense un peu partout. Au cas où il passe par là, je mets de l'infanterie. Au cas où il passe par là, je mets de l'infanterie. Ici, il y en a. Ici, il y en a une. Voilà, vraiment, moi j'en mets partout. C'est vraiment pour pardon, une défense optimale. Donc, faut vraiment utiliser la topographie. Je crois que c'est ça, ou la topologie, je sais plus. Topographie de notre base pour pouvoir la défendre le plus de façon très optimale, quoi. Faut vraiment... Ah, j'ai oublié le mot. Voilà, faut vraiment analyser toutes les possibilités que l'ennemi pourrait entreprendre. Décryptage, décryptage, décryptage. Décryptage. Donc carreau M11, M11, M11. C'est toujours les mêmes chars. Donc là c'est les Italiens. Hein. Et là les Allemands. On va observer un peu le débarquement. Donc on voit qu'il se fait complètement défoncer. Il a des Sherman. Ils sont bien quand même, mais bon. Ils peuvent pas faire face à la Deutsche Qualität. Ah, on m'attaque. Ah merde, qu'est-ce qu'ils font? Mais revenez! Donc ouais, en fait c'est ceux-là, j'avais dit de venir là, mais j'avais pas pris en compte l'avancée des ennemis. Mais c'est pas grave. Ça coûte pas cher et j'ai assez d'argent. Donc là ils vont passer par là. Ces deux-là, ils vont les prendre en embuscade. Hop, voilà. Ah zut. Voilà, bon. Ça c'est fait. Donc là, attaque un peu plus massive. Une dizaine, voire même une quinzaine de Panzer. Je vais renforcer le flanc nord.
peux. Avec une reconnaissance. J'avais mis une reconnaissance. Ah, elle est là. Et c'est des leurs. Donc on avait vu que dans la mission en Afrique, il y avait un QG leurre, un QG en bon tas avec des morceaux de bois, pour me faire croire que c'était leur QG, du coup ça modifie tous nos plans. Et ben là c'est pareil. Admettons que si ça avait vraiment été des vrais chars, ben j'aurais tout fait pour mettre en place une défense imparable. Mais il s'avère que non, du coup en fait, l'ennemi m'a fait dépenser de l'argent pour rien. Ça fait que lui il peut contre-attaquer et en même temps il peut voir les unités que j'ai. Donc ça peut être. C'est vraiment justement le but, c'est vraiment l'enjeu du jeu, justement, c'est ruser, d'où le nom du jeu Ruse. Donc il y a vraiment plein de ruses, donc là j'en ai que deux, mais évidemment faut les utiliser, c'est vraiment l'enjeu du jeu. L'enjeu du jeu, voilà. Ah merde, mais pourquoi ils sont passés par là? Vite, vite, forêt, forêt. Putain, ils sont bêtes. Ah, je voulais qu'ils passaient par la forêt en fait. Bon, c'est pas grave. Voyez, grâce à l'attaque surprise, ils sont déjà en déroute. Ils n'ont même pas eu le temps de me tirer dessus. Ils essaient d'entrer. Ah, putain. Ouais, ils sont tous à voir un par un. Moi, j'ai aucun dégât. Ah, si, quand même. Ouais, il y en a deux qui sont en déroute. Oh, par contre, là, ça risque d'être serré. Oui, ça va être serré, là. Combien de chars? Ah, il y a un M13 en plus. M13. C'est celui qui est après le M11, donc il est un petit peu plus résistant. Ah bah non, en fait, c'est pas scénique. Ah non. Oh là là, il me tire dessus, ça fait mal. Ça va, j'ai réussi. Alors il risquait d'attaquer. Donc voilà, franchement, le périmètre est largement sécurisé. Ils vont attaquer avec les carreaux. Et voilà. Voilà, mission numéro 6 terminée. On va se lancer dans la septième. J'aime bien moi ce von Richter. Donc là on voit que les Allemands résistent extrêmement bien contre les forces de Weatherby. Ils n'arrivent pas du tout à progresser, ils se défoncent.
Et moi, justement, je vais continuer ma progression, pardon, par ici, là, pour dégager la garde nationale italienne, avec l'aide des Anglais. Donc, l'objectif est d'attaquer, enfin de capturer le dépôt, parce qu'on peut capturer les bâtiments en envoyant de l'infanterie dedans. J'en profite pour prendre ce bâtiment aussi, en y mettant une petite défense. Donc, nouvelle ruse, la ruse silence radio, qui permet en fait de mettre toutes les unités, toutes, hein, aériennes, terrestres ou motorisées, de les rendre invisibles à l'œil de l'ennemi car ils n'utilisent plus de radio, ils sont plus détectables. Sauf, ils sont détectables, sauf s'ils ont une reconnaissance, si les ennemis ont une reconnaissance. Mais sinon, ils ne sont pas reconnaissables. Détectables plutôt. Alors, donc ils sont invisibles et ils sont hors de portée des carreaux. Ce qui veut dire que je peux passer tranquillou sans me faire agresser. Voilà, bâtiment capturé. Comme ils sont cons, ils s'en rendent même pas compte. Et moi, mes petits camions, ils vont passer tranquille. Voilà. Alors, utiliser les voies pour masquer la visibilité de... Pour masquer la visibilité de l'ennemi? Voici leur base. On m'envoie du renfort de Charlie. Alors les carros vélos, on va voir leurs armes. Donc on voit qu'ils ont que des mitrailleuses, aucun canon. Ça fait qu'en fait c'est un véhicule anti-infanterie. C'est pour ça qu'ils se replient face à mon aux deux Charlie qui se ramènent et qui sont sous mon commandement. Du coup je peux les attaquer sans crainte. Je vais juste peut-être refaire des renforts. Ah, je vais faire 6 nouveaux infanterie. Par contre là c'est un carreau M13. Un peu plus compliqué comme cible. Voilà, j'ai mis en déroute. Je vais juste reculer un petit peu. Faut que je me fasse celui-là. Je vais mettre une ruse d'espionnage parce que je ne sais pas du tout où ils sont. C'est embêtant pour mes forces. Je remets un silence radio. Bon, allez, j'avance un petit peu maintenant. Et j'envoie de l'infanterie dans la ville. Enfin, deux c'est largement suffisant. Même un, c'est suffisant. Ils vont pas passer par là, mais c'est vraiment au cas où. Donc avec ces deux unités, ces quatre unités, j'investis la ville. Donc maintenant avec cela, je vais investir comment ça s'appelle, la forêt. J'envoie ma reconnaissance, donc je la déplace, pour la mettre ici. Ou même ici c'est mieux. Mes deux chars, je les avance dans la forêt. Comme ceci. Ou peut-être pas, ou peut-être pas. Il y a un char qui se ramène. Ah, ah non, 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 il va attaquer ma Willis.
Ah putain, c'est quoi, c'est un Kerovelos? Même pas. Allez, allez, fais volonté. J'ai perdu de l'infanterie. Combien, je ne sais pas. Mais j'en ai perdu, ça c'est sûr. On va mettre celui-là là. Et ces deux-là dans la forêt. Et que la Willis aussi. Je vais les faire passer par là. Alors, donc la ville est investie. S'ils passent par là, ils sont morts. Ensuite, par où est-ce que je peux aller? Je vais mettre un silence radio sur mes tanks. C'est-à-dire ici. Deux chars moyens contre deux chars moyens, c'est les miens qui sont largement en supériorité parce que les chars italiens sont, c'est vraiment bien contre l'infanterie mais pas contre d'autres chars. Alors, ah, contre-attaquer, contre-attaquer. Alors maintenant je peux faire beaucoup plus d'infanterie et c'est ce que je vais faire parce que je vais faire une charge d'infanterie. Je vais investir la ville avec 4 unités là et 4 unités là. Alors j'envoie tout comme ça hein, parce que il n'y a pas besoin de faire plus. J'envoie ces 3 unités. Ah, après je dis 3, c'est 4. Non, d'abord que 2 ici. Je vais bouger ma reconnaissance ici. Donc objectif, bonus. Je peux capturer la caserne, comme ça je pourrais faire mes unités d'infanterie directement juste à côté de leur base. Et ça leur fera très très chier. Donc je mets une ruse d'espionnage parce que à ce que je vois je ne les vois pas. À ce que je vois je les vois pas. Oui, ça se dit. Passe dans la ville, passe dans la ville, passe dans la ville. Allez, coup lance-roquette. Donc je peux faire avancer mes unités. J'attends le renfort d'abord. Yulkaro M15. Ah, ils sont là. Alors, voyons là. On a vu le M11, le M13, et voici le M15. Donc lui par contre il a la même puissance que le Lee. Du coup, je vais pas les envoyer. Donc voilà, même deux Lee contre un seul M15, ils me disent pas que c'est très facile. Ils me disent que c'est facile. Niveau de l'estimation. Du coup, voilà. Donc eux ils vont rentrer, ils vont se faire défoncer. Ah bah non, même pas. Je vais faire passer les chars de l'autre côté. Oula! Non, je vais mettre les chars. Parce qu'ils m'envoient les M15. Ouais. Putain, ça va être chaud. Oh merde, merde, merde. Repli, repli. Bah déjà, d'ailleurs, ceux-là, je peux les envoyer là aussi. Hop. Donc vraiment ces chars-là, évitez les tanks plus forts que les vôtres. Ouais, je sais, mais j'ai envie de les détruire. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils ont une trop grande portée et ils s'approchent pas des forêts, donc ça va être impossible. Le mieux c'est de ouais, les éviter. Parce que s'ils me disent de les éviter, c'est-à-dire qu'ils vont pas bouger de là. Donc s'ils vont pas bouger, bah je ne m'en occupe pas. Je vais mettre une ruse, non, de silence radio, ici. J'envoie mes chars en couverture et là, je prends toute mon infanterie. Yeah! Charge! Et j'en envoie un capturer ça. Donc voilà, il se replie. Bon, c'était une bonne idée de ne pas l'attaquer. Par contre, je vais envoyer ces 3. Non, je vais tout envoyer ces 7 dans la forêt. Directement. Et je vais investir la forêt. Ce qui fait que je vais quand même contrôler une bonne partie. Merde, putain. C'est quoi? Oh non, 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 putain, c'est les M15. Je vais avancer Marocco. Par contre, il faut que je préserve mes chars, de toute façon, c'est un objectif bonus.
Ceux-là, je vais laisser dans la ville. Allez, vite, va dans la ville. Oh putain, non, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont pas le droit de venir là. Capturé, capturé. Ouais, mais non, mais ils sont sérieux là, mais ils ont pas le droit de me suivre comme ça. Jamais ils m'ont suivi autant. Ah, voilà, ils me suivent plus maintenant. Ouais, j'ai que ça comme unité à faire, donc moi je fais plein d'infanterie, hein, vu que j'ai que ça à faire. Hop, je vois tout dans la forêt. Le reste ici. Hop. J'envoie une Willis ici. Elle est où l'autre Willis? Elle est là. L'autre, je l'avance. Oh, mais non, mais non, mais ils sont pas sérieux. C'est quoi cette portée de dingue? Ils ont une portée de dingue, les trucs. Bon. C'est quoi? Ça, c'est le char en flamme, donc je vais l'attaquer avec ça. Donc voilà, tout ce que j'ai envoyé est mort, c'est super. Donc non, mais vraiment, ils sont pas censés venir là. Ah oui, défoncez-vous, défoncez-le, 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 Kiev tire! Mais non, mais putain. Bon. Hop, neutraliser ça. Toi, ça. Toi. Ah bah ça veut pas. Je vais envoyer ces infanteries-là en renfort, sans la Willis. Donc ils sont où? Ils sont morts? Ah, il en reste qu'un. C'est cool. Bon, j'ai envoyé l'infanterie. J'envoie tout comme ça, là. Donc voilà, j'ai capturé ça. Maintenant, on va capturer ça et on va capturer ça. Je vais faire des canons anti-char. Donc là, c'est la base anti-char. Donc là, c'est vrai que j'ai fait cette mission-là était un petit peu tirée par les cheveux, mais c'est vrai. Ces carreaux M15, là, ils m'ont fait chier, quoi. Et j'ai rien pour les combattre. Du coup, j'ai fait un peu en mode à l'arrache. Voilà. Oh, 13 minutes pile. Bon, bah les amis, je vous dis à bientôt pour l'épisode 4, pour la suite de la campagne du débarquement d'Italie. Et donc voilà, passez une bonne journée. Salut!